Bonjour, bonjour. Encore une fois, معكم مرحبا بكم اللي تابعوا فينا على الباج فيسبوك عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. Rendez-vous مرة أخرى معكم باش نتقابلوا فيه لبدو دو لينيرجي بوزيتيف بعد ما توقفنا يمكن قرابة الأسبوعين ما عملناش الإبدو هذايا نرجعوا لكم اليوم باش نحكيوا مع بعضنا في موضوع جديد لي ميكانيزم دو فينانسمون او سيرفيس دو لا La maîtrise de l'énergie. مرة أخرى نجدد الدعوة لكم أنتم الكل بما أنه الفضاء هذا هو فضاء إعلامي عن إسباس دانفورماسيون اللي تبعوا فينا على الباج اللي تبعوا فينا واللي يهمهم لي سوجي دو ميتريز دو لينيرجي كون جو دي ميتريز دو لينيرجي سي لي دو فولي افيكاسيتي انرجيتيك اي انرجي رونوفلابل دونك سي فوز افي دي سوجي اللي تحبوا نحكيوا فيهم اللي تحبوا نبسطوهم اكثر كو فو فولي كون فولغاريز انكور بلوس تبعثونا على الباج ان طونك ميساج بريفي تبعثونا لي سوجي اللي تحبوا كي فوز انتريس اللي تحبونا نحكيو فيهم مي بور اجوردي دونك مرحبا بكم معنا باش تتبعوا الموضوع نتاعنا لليوم لو ميكانيزم دو فينانسمون او سيرفيس دو لا ميتريز دو لينيرجي السوجي d'aujourd'hui il sera animé par différentes panélistes. Il y aura Monsieur Monsef Njemi, directeur et responsable de l'unité de gestion de fonds de transition énergétique à la NME. Il va nous parler du fonds de la transition énergétique FTE et les nouvelles opportunités de financement pour la maîtrise de l'énergie. Il y aura aussi le mécanisme SINREF, un outil pour le financement de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement, avec Madame Rajé Fradi, chef d'unité d'organisation et de qualité à la NME. اي باش ما نقعدوش وحدنا نحكيو في حاجات كيف من هكا il y aura aussi deux success stories de sociétés qui ont bénéficié de ces deux mécanismes et ils vont partager avec nous leur success donc à ce sujet donc il y aura l'histoire de financement d'un projet de cogénération à la société Medoil présenté par monsieur Nidal Suisse responsable opérationnel énergie et cogénération dans le groupe Polina. Et la deuxième success story viendra de la part de M. Nizar Deli, directeur central de maintenance et maîtrise de l'énergie à Géant Monoprix, pour nous parler du projet de financement de production photovoltaïque à la société MEDIS. Donc, مرحبا بكم الناس الكل. On est là pour vous. On est là pour écouter vos questions aussi. Vous pouvez mettre vos questions en commentaire et je ne tarderai pas à la communiquer aux personnes concernées. Donc, نبدأ مع بعضنا الويبينير نتاعنا والمداخلة الأولانية باش تكون مع سيمونز نجيمي sur le fonds de la transition énergétique FTE. مرحبا بكم معنا سيمونز. مرحبا مرحبا للزملاء الكل والناس اللي يسمعوا فينا البريزونتاسيون نتاعي كما قلت فاطمة الكونسيرن لو فون دو ترانزيسيون انرجيتيك كوم ايتون اون نوفيل اوبورتونيتي دو فينانسمون بور لا ميتريز دو لينيرجي ما نعرفش البريزونتاسيون تشوفوا فيها لا لا مانيش نشوفو فيها سي منصف لحظة بالله اي حطيها بارتاج فاطمة خرج لنا ميساج ديزاكتيفي فاطمة لو بارتاج بي تو سويت اي نسمع فيك نسمع فيك سي المنصف نورمالمون فوالا سي بون سي بون maintenant اوكي okay, très bien سي عندكم
Voilà. On va vous présenter le fonds de transition énergétique comme étant une nouvelle opportunité de financement pour la maîtrise de l'énergie en Tunisie. Comme vous savez, toute politique de maîtrise de l'énergie repose sur trois axes principaux, à savoir le cadre institutionnel, le cadre réglementaire et le cadre financier. Et dans cette présentation, on va présenter un outil financier important dans cette politique de maîtrise de l'énergie qui a été mis en place en Tunisie, à savoir le fonds de transition énergétique. Donc, depuis 2015, la Tunisie a mis en place un fonds dédié à la maîtrise de l'énergie qui a été lancé dans le cadre du programme national de maîtrise de l'énergie en 2004. Le FNME a été créé par la loi de finances de 2006. Les interventions de ce fonds FNME ont été fixées par décret numéro 2234 du 2005 et les incitations financières octroyées par ce fonds, où on trouve les incitations financières octroyées par le fonds FNME. Ces incitations ont été aussi actualisées en 2009. Il s'agit du décret numéro 362 en date du 2 février 2009. Le fonds FNME, le Fonds national de maîtrise de l'énergie, a été converti au Fonds de transition énergétique créé par la loi de finances en 2014. Les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du Fonds de transition énergétique ont été arrêtées par le décret gouvernemental numéro 983 en 2017. Contrairement au Fonds de maîtrise de l'énergie FNME, dont ces interventions ont été limitées à l'octroi des primes, dans le FTE, il y a une diversification de ces interventions. Il y a la mise en place des encouragements et des incitations financières pour les actions de maîtrise de l'énergie, aussi des incitations et des encouragements pour les projets de maîtrise de l'énergie, à savoir soit la création d'entreprises pour réaliser des projets de maîtrise de l'énergie ou les projets d'extension énergétique de maîtrise de l'énergie. Donc, ce fonds FTE octroie soit des primes, soit des crédits, soit des fonds d'investissement, sous forme de dotation remboursable ou participation au capital. Donc, dans ce diapo, les ressources du FTE ou les ressources du FTE et du FNME depuis 2006. Le cumul durant la période 2006-2020 était de l'ordre de 480 millions de dinars. Les taxes des produits énergétiques en noir ont été mis en place depuis 2019. Pour les moteurs usagés ont été mis en place depuis 2015. Les ressources annuelles étaient de l'ordre de 30 millions de dinars durant la période 2009-2014. Et ces ressources ont été améliorées dès la mise en place des taxes sur les moteurs usagés et sont devenues de l'ordre de 40 millions de dinars durant la période 2016-2018. Ces ressources ont dépassé les 50 millions de dinars par an dès l'entrée en vigueur des taxes sur les produits énergétiques.
Les taxes, sont les taxes sur les produits énergétiques qui ont été mises en place en 2019, sont les taxes sur les moteurs à usager, les taxes sur les lampes à incandescence et les taxes sur les climatiseurs et la nouvelle immatriculation des véhicules. Dans ce tableau, on voit les références légales de ces différents taxes qui ont été mises en place pour, comme étant des ressources du FTE. La plupart, dans ce graphique, on voit que les ressources du FTE proviennent essentiellement de la nouvelle immatriculation des véhicules avec un taux de 59%. Par la suite, les moteurs usagés, 16%. Par la suite, les climatiseurs à raison de 14%. Ça, c'est concernant le cumul des ressources. Si on voit peut-être par année, on voit que essentiellement les ressources, ça provient de la nouvelle immatriculation des véhicules, des moteurs usagés et des produits énergétiques. Le reste, c'est un peu faible comme ressource pour le FTE. Pour les interventions du FTE, il était de l'ordre de 309 millions de dinars durant la période 2006-2020. La plupart des interventions de l'FTE ou bien la plupart qui ont été consommées essentiellement pour le prosolylec avec un taux de 86% et par la suite pour les chauffe-eau solaires avec un taux de 10% et l'efficacité énergétique avec un taux de 4%. Revenons maintenant pour le FTE. Il y a trois chapitres. Le chapitre 2 concerne les actions de maîtrise de l'énergie. Le chapitre 3 concerne les projets de maîtrise de l'énergie et le chapitre 4 concerne les projets publics de la maîtrise de l'énergie ou les programmes nationaux. Vous voyez ici les groupes de mesures éligibles pour les actions de maîtrise de l'énergie dans le chapitre 2. Ça concerne les investissements immatériels et les investissements matériels. Le FTE donne la possibilité soit d'octroyer une prime ou une prime et un crédit. Pour le chapitre 3, qui concerne les projets de maîtrise de l'énergie, soit la création des entreprises pour réaliser des projets de maîtrise de l'énergie, ou l'extension énergétique d'entreprise. Donc, les interventions du FTE sont soit l'octroi d'une dotation remboursable ou d'une participation au capital, soit l'octroi d'un crédit à moyen et à long terme pour les projets réalisés dans le cadre d'une extension, ou l'octroi d'une subvention d'investissement ou d'investissement immatériel. Le quatrième chapitre concerne les programmes nationaux de maîtrise de l'énergie. Ce sont des programmes réalisés soit par l'État ou les collectivités locales. Le financement sont en partie ou la totalité sont financés par le FTE. Voici ici quelques exemples d'interventions du FTE qui ont été mentionné dans le chapitre 2 du FTE. Ici, concerne le prosol ELEC basse tension. Ici, les projets d'installation de production d'électricité à partir des énergies renouvelables pour les établissements non raccordés au réseau, soit le pompage photovoltaïque ou l'électrification rurale ou le projet d'éclairage ou autres projets non raccordés au réseau. Les projets de biogaz, il y a les primes 30% du coût plafonné à 50 000 dinars avec la possibilité d'avoir un crédit
200 000 dinars. Donc, les projets de démonstration aussi, 50% d'équipement du projet, plafonné à 100 000 dinars, avec la possibilité d'avoir un crédit de 200 000 dinars. Les autres projets d'énergie renouvelable, tels que les projets de production d'électricité à des fins d'autoconsommation, moyenne tension et haute tension, et les projets d'installation éolienne et matériel dans le domaine énergie renouvelable et efficacité énergétique, que le client peut avoir une prime de 20% du coût d'équipement du projet plafonné à 200 000 dinars. Le reste des primes, vous pouvez les trouver dans le chapitre 2, octroyé pour les actions énergétiques. Ici, vous avez la procédure ou le schéma bénéficie du financement d'actions de maîtrise d'énergie à travers les interventions de fonds de maîtrise d'énergie. Vous avez les intervenants, les banques, l'ANME, la donc, ces procédures sont détaillées dans le guide qui a été promulgué par arrêté septembre 2020. On passe maintenant pour le chapitre 3. Ça concerne les projets de maîtrise de l'énergie. C'est le Monsef. C'est le Monsef. Est-ce que vous pouvez mettre les diapos en mode plein écran, s'il vous plaît? Donc ici, nous avons les projets de l'énergie, comme ils ont été mentionnés dans le chapitre 3 du décret 983. Ça concerne la création d'entreprises pour la réalisation des projets ou l'extension énergétique d'entreprises. Donc, il y a le plafond des investissements éligibles, 4 millions de dinars ou pour la création d'entreprises et 3 millions de dinars pour l'extension. La part minimale pour l'autofinancement dans l'investissement, 40% pour la création et 30%, y compris la participation de dotation et, ou participation au capital. Donc, vous trouvez ici le reste des incitations. Le fonds d'investissement pour la dotation remboursable valable pour la création ou l'extension, 60% du capital avec un apport propre minimal de 20% du capital. Et pour la participation au capital aussi, 60% du capital avec un apport propre minimal de 10% du capital et une participation en SICAR de 10%. Les primes aux investissements matériels, ça concerne aussi la création et l'extension, c'est 10% plafonné à 200 000 dinars. Les primes aux investissements, ils ont été indiqués dans le chapitre 2 du décret. Et pour les crédits, ça concerne seulement l'extension énergétique des entreprises, 35% plafonné à 600 000 dinars. Pour le projet de cogénération et 350 000 dinars pour les projets d'énergie renouvelable ne dépassant pas 1 million de dinars. Ici, vous avez les bonifications des taux d'intérêt pour les deux types de projets d'extension ou de création d'entreprise. Ici, nous avons la procédure à suivre pour bénéficier l'incitation financière pour la participation au capital. Vous trouvez en haut aussi le bénéficiaire qui va présenter le dossier. À droite, le SICAR qui va participer au capital. Et l'établissement du crédit en cas où le client veut aussi octroyer un crédit. Tout le dossier sera transmis à l'ANME
par l'établissement de crédit et l'établissement SCRICAR. Et l'ANME, après validation du dossier, elle transmet le dossier aux commissions techniques. Et par la suite, un contrat-programme et un arrêté sera préparé pour le client pour lancer le projet. À droite, vous trouvez les projets de dotation remboursable. Donc, vous avez l'établissement du crédit et les autres étapes pour réaliser le projet de création d'entreprise, je crois. Car pour les projets d'extension, de création et... maintenant, pour le chapitre 4 qui concerne les projets publics de maîtrise d'énergie, sont les programmes nationaux. Ne sont éligibles que les projets de maîtrise d'énergie réalisés par l'État, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales qui respectent les conditions suivantes. Il faut avoir l'approbation préalable par le gouvernement. Il faut que le projet contribue à la réduction de la subvention de l'État réservée aux produits énergétiques. Cette contribution devra être déterminée, validée par les services compétents de l'ANME. Et le coût de l'investissement et la durée d'exécution du projet doit être fixé et limité dans le temps. Vous trouvez en bas aussi le processus et le schéma à suivre pour la réalisation d'un tel projet. Il y a trois étapes importantes. Il y a la validation du conseil ministériel pour que le projet sera considéré comme un programme national. Par la suite, un dossier technique sera présenté à la commission technique pour valider le dossier. Il y a aussi la constitution d'une comité de pilotage du projet. Et par la suite, il y a le dossier sera de nouveau un dossier financier sera où il y a les actions, la composition du projet, le coût du projet, le schéma de financement, la population de cible. Un dossier qui comporte ces différents sera aussi présenté à la commission technique pour approbation. Une fois elle a approuvé, donc un projet d'arrêté sera présenté ou préparé en concertation avec le COPIL et présenté à la commission technique pour validation. Et après, le client peut entamer l'exécution du projet. Pour l'ANME, il y a actuellement 9 programmes nationaux qui ont été validés par le conseil ministériel en 2018. Il y a le ProSolidec, le programme de maîtrise de l'énergie dans les établissements publics, l'innovation d'éclairage public, le programme de maîtrise de l'énergie dans les mosquées, le PromoLED et le PromoIsol, PromoFrigo et le programme. Vous voyez que le degré d'avancement de ces programmes d'un programme à un autre, mais quand même on a commencé la plupart des programmes. La plupart des programmes, déjà vous trouvez qu'ils ont arrivé au stade de la publication de l'arrêté d'exécution du programme. Comme le procès LODEC, déjà ils ont lancé l'appel d'offres pour réaliser une phase pilote à Tozeur. Aussi, le programme triennal de sensibilisation, ils ont déjà commencé l'exécution. Merci pour votre attention. Merci à vous, Sylmane Zofiatik Saha.
Bien sûr, Tkamel Marana, au cas où il y a eu des questions, Jobna Alihom, au cas où, bien sûr, selon les commentaires des spectateurs qui sont en train de nous suivre sur notre live streaming en direct sur la page Facebook de l'ANME. On passe directement au mécanisme SANREF. Rajé, je t'attends à lire beaucoup plus de détails, d'informations. C'est quoi ce mécanisme ou qui fait China Jamiaouen les intéressés? Ok, bonjour tout le monde. Donc, Rajé Fradi, chef d'unité qualité et organisation. Et aujourd'hui, je vais remplacer le chef de programme, en fait, Ouassi Mohamed Ali Seifi. Donc, je vais vous présenter le programme SANREF. Juste. Voilà. Et... Donc, le programme SANREF, c'est un programme d'appui aux investissements verts en Tunisie. Et il a été commencé depuis fin 2017 et il est en cours aujourd'hui jusqu'en 2023. Donc, ce programme d'appui aux investissements verts, il est constitué de trois instruments. Il y a une ligne de crédit destinée aux institutions financières tunisiennes d'un montant de 60 millions d'euros, un programme d'assistance technique en faveur des acteurs, aux acteurs de projet, les banques partenaires, les agences techniques et les entreprises. Et il y a aussi la troisième composante liée à la prime à l'investissement qui est en fonction de la nature de l'investissement et de son temps de retour et des dispositifs d'appui existants. Donc, juste pour commencer, la première composante, il y a une ligne de crédit de 60 millions d'euros. Cette ligne a été donnée selon des conventions de prêt avec quatre banques partenaires, à savoir le BCI, l'UB, la Melbank et la BH. Donc, cette ligne est destinée socialement et prioritairement aux PME et aux entreprises privées, industrielles et dans le secteur tertiaire. Quels sont les types de projets éligibles au programme SANREF? En fait, le programme SANREF, il est destiné pour les investissements de maîtrise de l'énergie, aussi les investissements de dépollution. Pour la maîtrise de l'énergie, en fait, il touche les deux aspects, l'efficacité énergétique telle que la cogénération, les équipements plus sobres, les systèmes de régulation et d'autres actions d'efficacité énergétique que sont jugées ou voilà, présentées dans le cadre d'un audit énergétique ou voilà, une consultation préalable et autres mécanismes. Donc, il y a aussi les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque connecté au réseau ou non, et le chauffe-eau solaire, l'éolien et autres types d'énergies renouvelables. Aussi, le programme SANREF intervient dans l'investissement des projets de dépollution. Là, comme la NME, un partenaire administratif, voilà, il y a aussi la NPE. Donc, cette partie de dépollution, c'est essentiellement pour le financement des projets de end of pipe, tout ce qui est filtrage de fumée, station de pré-traitement, dépollution et autres, et la valorisation des déchets. Donc, pour les critères d'éligibilité pour les projets d'efficacité énergétique, il faut que les projets maintenus réduisent participent à la réduction de la consommation d'énergie jusqu'au 20%, au minimum 20%. Et pour les énergies renouvelables, il faut y avoir une capacité installée inférieure ou égale à 10 MW et une installation solaire thermique dont la surface installée est supérieure à 50 mètres carrés. Je vous donne quelques exemples des projets éligibles par le programme SANREF. On cite la cogénération, aussi le moteur à haut rendement, l'éclairage efficace, l'isolation et le calorifugage, les systèmes de gestion centralisés de l'énergie et d'autres, bien le froid industriel, four à haut rendement, processus sobre et tout autre programme ou action d'efficacité énergétique accepté par la NME.
Donc, pour les énergies renouvelables, il y a le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, le système éolien de petite taille, la biomasse énergie et les systèmes hybrides, et bien sûr, tout autre programme des énergies renouvelables accepté par la NME. Donc, la deuxième composante, c'est l'assistance technique. En fait, il y a une assistance technique avec un portefeuille de 2,2 millions d'euros mis à la disposition des porteurs de projets, des banques et tous les partenaires ou voilà, la cible de ce programme. Cette assistance technique est gérée conjointement entre la NME, la NPE et le Bureau Expertise France mandaté par l'AFD. Donc, cette assistance technique contribue à la construction d'un portefeuille de ce projet éligible et bancable, le développement des outils de communication, de sensibilisation, le renforcement des capacités des différents acteurs pour le développement de la finance verte. Essentiellement, il y a des actions d'accompagnement, il y a des actions de formation, il y a des actions aussi de communication et d'information. Donc, ici, la NME et la NPE jouent le premier rôle pour la validation aussi de l'éligibilité technique des projets présentés par les entreprises. Donc, avant de passer à la demande de la ligne de crédit ou bien de bénéficier de l'assistance technique, il faut que le projet soit approuvé par la NME ou bien la NPE. Donc, la dernière composante, c'est une prime à l'investissement. En complément du prêt qui sera mis à la disposition des banques partenaires, il y a une enveloppe de prime pour la donner aux différentes entreprises bénéficiaires de la ligne et bien sûr selon des critères d'éligibilité. Le versement de ces primes d'investissement, comme le FTE, sera après réalisation et la mise en place de projets et aussi après la vérification de la mise en œuvre par un expert mandaté par Expertise France. Donc, pour la maîtrise de l'énergie, bien sûr, comme l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable, les critères d'éligibilité à cette prime, les homaïkono, des prêts déjà éligibles. Et les montants sont de 15% du montant du prêt pour les projets d'efficacité énergétique et 20% du montant de prêt pour les énergies renouvelables. Pour les projets de dépollution, pour la production propre, il n'y a pas de prime à travers le Sanref, mais par contre, pour la réduction de la pollution ou l'end of pipe, il y a bien sûr des prêts éligible. Aussi, il y a une prime qui doit être définie en fonction des primes déjà versées par d'autres mécanismes comme le FODEP et autres. Donc là, j'ai juste présenté les différentes composantes du programme Sanref. Merci pour votre attention. Pour toute autre information concernant ce projet ou ce programme, vous pouvez voir la page Facebook Sanref Tunisie ou bien LinkedIn. Aussi, vous pouvez contacter si Mohamed Ali Sefi, le point focal à NME. Il y a aussi si Wassim Cheikha pour tout ce qui est projet environnemental au sein de la NPE. Et merci pour votre attention. Donc, Merci beaucoup, Rajay. je vous en prie. Voilà, donc c'était les mécanismes de financement au service de la maîtrise de l'énergie, respectivement le fonds de la transition énergétique et le programme Sanref. Et comme promis, on passe directement à une société qui a bénéficié de ces mécanismes pour voir beaucoup plus. معناتها كيفاش انتفع بالميكانيزم هذايا، شنو هو البروجي اللي عملته، اي لو روتور فينالمون ان روتور ديكسبيريونس افيك مسيو نيدال السويسي ريسبونسابل اوبيراسيونيل انرجي ايكوجينيسيون او جروب سي نيدال. مرحبا معكم طيب. اهلا وسهلا بك، مرحبا سي نضال. دونك فوالا كوم انونسي باش تحكي لنا شويه على الساكسس ستوري دو لا سوسيتي ميدويل. Alors, j'ai partagé une petite présentation. Du projet.
Est-ce que l'écran s'affiche correctement? L'écran il s'affiche, mais veuillez s'il vous plaît le mettre en plein écran. Logiquement, il est en plein écran. Voilà. Ah, j'ai deux écrans. Est-ce que maintenant c'est bon? Bon, t'as même chinchou fi hata chay. Bon, on peut commencer vu que déjà c'est assez clair. D'accord. Alors, le projet de cogénération de Medoil, c'est un projet qui a été mis en place pour la société Medoil, qui possède deux sites, un site à Birim Cherga et le deuxième site à Rades. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur la cogénération, qui est la production simultanée d'énergie thermique et énergie électrique à partir du même combustible. Donc, les avantages de la cogénération, c'est un rendement élevé. Il permet aussi, le système de cogénération, de réduire les émissions des gaz à effet de serre et éventuellement une économie sur les factures. Pour notre projet, les indicateurs de projet, principalement par rapport au respect du cadre réglementaire du décret 3232, donc le projet ou le système de cogénération possède un rendement global de 70%, avec un taux de récupération aussi de 64% et une vente à la SEC de 40%. Il est à rappeler que le système est équipé par un moteur à gaz de 2 MW et une chaudière de récupération de vapeur. Et aussi, ce système permet de récupérer l'énergie thermique issue de l'eau chaude moteur. Quelques chiffres clés, quelques chiffres financiers sur le projet. Ce projet permet une économie sur la facture d'environ 50%, avec un chiffre de 1 800 440 dinars par an. L'investissement global qui consiste, qui englobe la partie équipement, les moteurs à gaz et chaudière, la partie électrique, toutes les cellules, moyenne tension, le raccordement électrique, moyenne et basse tension, la partie génie civil et le lot fluide. Le montant d'investissement est de 8 368 000 dinars TTC. Le schéma de financement, on a bénéficié pour ce projet-là d'un crédit sans REF avec un taux de 7,7%. Ce crédit-là aussi, on a pu avoir une subvention de 15% sur le montant du crédit sans REF. Je vais aussi présenter le système de récupération en temps réel, juste un instant. Je pense qu'il s'affiche maintenant aussi, hein. Oui, c'est bon. Voilà, c'est une supervision en temps réel sur le projet. Donc, c'est un moteur 2 MW. On peut le voir en temps réel, produisait 2 600 kW et permet de valoriser environ 900 kg dans l'usine de, ou bien 1 méga à Birim Cherga et transporter l'énergie vers les sociétés juridiquement appartenant à la société de Medoil. On a mis ce système de gestion d'énergie pour permettre la visualisation de toutes les données en termes de tableau de bord, en termes de comptage énergétique, en termes de gestion automatique d'exploitation
même le reporting, les alarmes, l'archivage des courbes. La chaudière aussi, ça permet réellement de voir l'état de la chaudière, la pression, le débit instantané, tous les paramètres de fonctionnement, même du groupe en interne, la température des cylindres et tout. Et une vue globale sur tout le système du moteur à gaz et tous les échangeurs de récupération. Voilà, je reste à votre disposition s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Nidal. Yatik Sahab, les questions, il y a une femme qui joue dans les tabacs au final à la page. Il y a donc, il y a quelqu'un qui a des questions. Marhaba, si Nidal a la demande comme Rajé ou Simon Sof aussi. Voilà, c'était le premier success story d'aujourd'hui. Le deuxième nous viendra directement de monsieur Nizar Dridi. Marhaba bik Nizar. Nizar Aslema. Oui, Aslema, marhaba. Donc, directeur central de maintenance et de maîtrise d'énergie géant Monoprix et dernièrement la société Médis vient de bénéficier d'un financement sur un projet d'autoproduction photovoltaïque. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler beaucoup plus sur ce projet. Marhaba Nizar, à vous la parole. D'accord, juste pour commencer, je vais présenter deux diapos. Donc, c'est bon, c'est visible comme ça. Oui, c'est bon. Je vois aussi, ouais. Donc, je commence à présenter le projet. C'est une centrale de production photovoltaïque installée à Tunis City, Juan. C'est l'enseigne de la société Médis. La puissance installée de notre centrale sur Ambrière elle est de 1,2 MW crête. Le projet a pris pratiquement dès le lancement des travaux jusqu'à la mise en exploitation de la centrale environ 12 mois. Ce projet il a été financé par le Fonds Sans Rêve mis en place par l'AFD et financé par la banque EIB d'un montant de 5,6 millions de dinars. Pour une production annuelle de 1800 mégawattheures par an, ce qui est équivalent de 24% de la production totale du site géant Tunicity. Autre point que le secteur de grande distribution aussi, c'est un secteur qui consomme beaucoup d'énergie dans le cadre pour garder et respecter la chaîne de froid au niveau des magasins. Ce projet entre aussi dans le cadre d'une vision globale pour le groupe Géant Monoprix, c'est essentiellement de maîtriser l'énergie consommée pour les sites de Géant et Monoprix à 17% d'ici 2024 et aussi de développer sa propre énergie par l'autoproduction d'énergie à travers les énergies renouvelables telles que la photovoltaïque. Notre projet est financé par, comme je vous ai dit, par la banque UEB.
Nous avons eu à 100% pour ce projet, 100% du montant de crédit financé par ce fonds-là, avec un taux fixe de 7,7% qui sera, disons, remboursé sur 7 ans. Et dès l'achèvement du projet et la mise en réception, nous avons contacté Monsieur Mohamed Ali, avec son assistance et avec l'équipe de la banque UEB. Nous avons fait la réception de la centrale et la réception de la mise en marche. Nous avons donné tous les documents nécessaires qui présentent la réalisation et les factures du projet avec le contrat qu'on a mis en place avec notre partenaire qui a fait l'installation de cette centrale Green Yellow avec les entreprises tunisiennes telles que Conto. Et pour cela, après l'achèvement de cette phase de validation et de dossier, disons, de réception, nous avons eu une prime de 15% de montant de crédit. Donc, je vous remercie et je suis à votre disposition pour toute autre question. يعطيك الصحة سي نزار، ميرسي بوكو بور فوتر انترفونسيون. اي ان فات جو في ريفينير بور لانستون سي نيدال سويسي. فوز ات لا سي نيدال، جي دو كيستيون بور فو دو لا بار لحظة بل... دو لحظة نرجع لك وي أسامة. Oui, je suis là, oui. Oui, Sinidal. Donc, deux questions. La première, de la part de Monsieur Atef, durée de vie d'un système de cogénération. Bon, pour la durée de vie du système de cogénération, pour ceux qui ne sachent pas, la maintenance des systèmes de cogénération contient le major overhaul, la maintenance générale, qui se fasse après un nombre d'heures bien déterminé selon le constructeur. Il y a des marques de moteurs dont la maintenance générale s'effectue à 64 000 heures et d'autres moteurs à gaz qui s'effectuent à 80 000 heures et des turbines à gaz qui s'effectuent entre 30 et 40 000 heures. Donc, à partir du moment où on fait la maintenance générale, on donne un nouveau souffle au moteur. On entame un nouveau cycle de vie du moteur. Donc, on peut vraiment aller entre guillemets à l'infini tant qu'on fait la maintenance générale. Je donne l'exemple d'une turbine à gaz qu'on possède dans le groupe qui date depuis les années 2000, 2000-2002. Elle a presque 20 ans actuellement. Mais chaque cycle, on fait la maintenance générale et on entame un nouveau cycle. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller, je dirais, à l'infini tant que vous fassiez la maintenance générale qui donne un nouveau souffle à la machine et éventuellement fait réapparaître les nouvelles performances de départ de la machine. J'espère apporter la bonne réponse, hein. J'espère aussi. Sinon, une deuxième question de la part de Monsieur Youssef. Toujours pour la. Alors, il demande, est-ce que c'est parfois problématique ce système de cogénération simultanée? Bien sûr, la cogénération s'impose pour les usines entre guillemets cogénérables. Qu'est-ce que cela veut dire, cogénérable? Elle possède le minimum de besoins en électricité et d'énergie thermique en même temps. Donc, si une usine ne possède pas de besoins en énergie thermique, la cogénération, ça ne s'impose pas. On ne peut pas installer une cogénération. Il y a un minimum de besoins en énergie thermique et électrique qui doivent exister dans une industrie, dans une usine, pour pouvoir implémenter ou installer un système de cogénération. Et comme j'ai présenté, il y a il y a un cadre réglementaire à respecter qui met des ratios au niveau du rendement global
qui est la production électrique sur la consommation, qui est la valorisation en énergie électrique et thermique sur le dénominateur se trouve la partie consommation gaz. Aussi, le ratio thermique, le C sur E, c'est la consommation, ou bien l'énergie thermique valorisée sur l'énergie électrique valorisée. Donc, tous ces indicateurs ne peuvent pas être respectés si un minimum de besoins thermiques et électriques n'existent pas dans l'usine. Donc, c'est le process qui réellement impose le système de cogénération. Ce n'est pas la cogénération qui s'impose. Voilà. D'accord, merci beaucoup. J'espère que Siyousef et Atef ont bien trouvé les réponses à leurs questions. Oui, donc ils vous remercient déjà, les deux, Atef et Youssef. Voilà, normalement, on n'a pas d'autres questions. Je remercie tous ceux qui ont participer avec nous dans cet hebdo de l'énergie positive. Merci Simon Sofengemi, Madame Rajef Radi, Sinidal Souissi et Monsieur Nizar Dali Deli pour votre pour nous avoir consacré du temps déjà et pour être avec nous. Je renouvelle encore une fois l'invitation à tous ceux qui sont abonnés à notre page s'il y a des informations complémentaires, supplémentaires qu'ils veulent avoir sur un sujet bien particulier, qu'ils proposent ce sujet in inbox sur notre page Facebook, pour que ce sujet soit planifié dans un hebdo prochain dans l'énergie positive. Voilà, donc notre webinaire aujourd'hui prend fin. Merci tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.